Ben oui, parfois, c'est compliqué d'être confortable sur une selle de vélo. Et visiblement, il y en a qui pensent que c'est parce que le concept est pas bon et sont arrivés avec des selles révolutionnaires. Ouais, j'ai fait une recherche selles révolutionnaires sur Google, puis là, 5 résultats qui ont attiré mon attention. Et pas pour les bonnes raisons. On va commencer doux et aller en s'empirant. Ah, le premier, visiblement, c'est juste un banc de bord. Ben oui, parce que si on est inconfortable sur une selle de vélo, mais confortable au bord après, évidemment, c'est sûr que ça marche. Ben oui, ça va marcher pour un vélo à position couchée peut-être, mais c'est sûr que ça marche pas pour un vélo standard. Le moindrement qu'on va être en pédalage normal avec la cuisse qui va descendre le moindrement un peu vers le bas, ça va accoter sur le devant, projeter le bassin par en avant sur, normalement, c'est une selle normale qui serait le nez de la selle, mais là qui est absent. Donc, la seule façon que ça marche, ce serait de mettre une hauteur de selle ridiculement basse ou d'avoir un pédalier complètement à l'avant, comme un vélo couché. Puis, c'est un vélo traditionnel, bien, si on le baisse pour que ça soit pas un problème dans le bas du pédalage, évidemment, on va avoir les genoux beaucoup trop haut dans le haut du pédalage. Le deuxième exemple là, que j'aime bien. Ben oui, qui dit vélo dit on veut pouvoir s'adosser. Puis, même dans la description, il y a l'acronyme MTB. Ouais, ça va être correct pour le vélo de montagne. Ben non, évidemment, ça marche pas en vélo normal d'avoir un dossier, parce que si on va s'appuyer sur le dossier, ça veut dire que la masse est même plus vers l'arrière que l'arrière de la selle, si on veut être appuyé. Donc, pour que ce soit applicable, c'est qu'il faut carrément que le pédalier soit très, très, très en avant de la selle. Encore là, ça peut marcher sur un vélo couché, mais sur un vélo traditionnel, c'est sûr que ça marche pas. Là, essayez de pas rire en regardant le troisième. J'ai pas été capable. Donc, on a le même problème que pour être assis avec les deux fesses dans le creux des trous qu'il y a sur la selle. Il y a tellement de matière en avant que c'est sûr que les cuisses vont appuyer. Ça va faire que le bassin va basculer vers l'avant. Ça va être presque impossible de rester sur la selle en pédalant une position sur un vélo normal. Mais eux, si on regarde les photos, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre un gros angle penché vers l'avant pour contrer ça. Ce qui fait que ça fait juste une grosse glissade vers l'avant. On est toujours en train d'avoir la masse projetée vers l'avant. On est toujours en train de forcer pour ramener les fesses vers l'arrière, aucunement stable. Parce qu'en plus, si je regarde la surface, ça a l'air d'être assez glissant aussi, là. C'est même pas une surface antidérapante. Le troisième, c'est pas une selle, mais c'est un concept de suspension de selle. Ouais, le gros problème, c'est que la façon qui est faite, de un, c'est sûr que ça va être très mou. De deux, le point de pivot est tellement proche que dès qu'il va avoir, dans le fond, une bosse que la selle va rentrer, ça va complètement changer de beaucoup l'angle de la selle. Donc, s'il y a un impact, il y a trois choses qui peuvent se passer. Le premier, ça va être que le bassin va suivre la selle, il va avoir une rétroversion vers l'arrière. Évidemment, ça va mettre une tension sur le dos et une surextension avec le guidon. Le deuxième qui est le plus possible, c'est juste que finalement, l'angle de selle, on va avoir le nez qui va relever dans les airs et que ça va faire juste une grosse pression sur le périnée, un gros coup dans les... Puis sinon, ben, pour compenser ça, c'est qu'il faut que la position d'origine de la selle soit déjà très, très, très avec un angle vers le bas pour qu'elle remonte pas trop le nez quand il y a un impact. Ce qui revient à le problème qu'on avait de la dernière, qu'on va juste glisser vers l'avant, glisser vers le nez de la selle plutôt qu'avoir l'assise au bon endroit, puis toujours être en train de se battre pour pousser vers l'arrière. Et le dernier, mon favori. Ok, je devrais pas rire parce que c'est sûr qu'en quelque part, il va y avoir quelqu'un qui a eu un cancer de la prostate pour qui ça va l'avoir permis de pouvoir faire quelque chose comme du vélo, mais est-ce que je suis le seul qui voit qu'avec la largeur que ça a, ça va projeter le bassin vers l'arrière-avant en pédalage? Puis si on tombe de la selle vers l'avant, sur quoi qu'on va tomber? On est encore dans le même problème qu'il faut que le pédalier soit très en avant ou une hauteur de selle vraiment trop basse. Rendu là, pourquoi mettre ça sur deux petites capsules tout petites? C'est sûr, tous ces concepts-là, il va en avoir peut-être une exception pour qui ça va avoir été quelque chose de bénéfique. Mais comme concept de base pour un vélo traditionnel, pour la majorité des gens, est-ce que c'est quelque chose de révolutionnaire qui devrait inspirer les manufacturiers de selles comme Physique, comme SMP? Non. Parce que dans tous ces concepts-là, on dirait qu'ils veulent aller à l'extrême d'en régler un problème spécifique, mais en faisant abstraction de tous les autres problèmes que ça peut créer. Parce que même si oui, pour plusieurs, c'est difficile d'être confortable sur une selle, le problème n'est pas tant nécessairement dans le concept général, traditionnel des selles qu'on voit en masse présentement, mais plus le fait que faut être réaliste. Le vélo, dans sa pratique, c'est pas facile non plus, et ça demande beaucoup de la part des fessiers du Périnée.
Et ça, non, ce n'est pas des cures miracles. Loin de là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que j'ai plusieurs revues de produits, beaucoup au niveau de plusieurs modèles de sel qui s'en vient, mais non, pas parmi ces modèles-là que je viens de parler.